viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve-nous. Que tu es descendu vers la mort immortelle vie. L'enfer est relancé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas qui gisait au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Serviteur, Seigneur, selon ta parole, apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Vain bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Vain bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'oreilles d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu Psaume 12. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta bonté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je mon âme et la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh, mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde et réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire me dise, je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Oh, moi, Seigneur, en ton amour, je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, n'ont plus donné ton nom. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir si en état de sensé un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Il donnera le Sion, le salut d'Israël. Le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi des héritages. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Comme la rosée plantée au bord de l'eau, comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissait comme l'olys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos citares publiez ses louanges. Elles sont magnifiques, les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son œuvre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, Le retour du Seigneur. Le retour du Christ, dans la pensée de l'apôtre Paul, fixé à la fin des temps, agit dès maintenant sur la vie chrétienne. Cet événement grandiose et terrible doit jeter à l'avance l'inquiétude dans la conscience des chrétiens. Cette idée transparaît dans plusieurs passages. Le retour du Seigneur doit conditionner l'attitude du chrétien vis-à-vis des choses de ce monde. À propos de l'Eucharistie, Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, « Car pour moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce calice, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La cérémonie de l'Eucharistie n'apparaît pas comme complète en elle-même, mais comme ayant un prolongement ailleurs. Elle est sacrifice et sacrement, mais aussi prophétie. Sans doute annonce-t-elle ce à quoi le Christ a fait allusion à la dernière scène. « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Mot mystérieux, nous ne pouvons dire ce qu'il signifie, mais nous sentons qu'il vise un accomplissement infini, comme cet autre. Nous viendrons à lui et nous ferons auprès de lui notre demeure. Grande, merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur, ô Roi des nations. Grande, merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur, ô Roi des nations. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Lecture de l'Apocalypse de saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe grand et merveilleux, 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal mêlée de feu. Et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent « Grande, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés, tes jugements. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous poursuivons la lecture des visions de l'Apocalypse avec cet autre signe que Jean qualifie de grand et merveilleux. 7 anges qui détiennent 7 fléaux, mais ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la colère de Dieu. Le mal est donc définitivement vaincu, et il ne reste plus que l'allégresse. L'allégresse de savoir que le bien a enfin triomphé dans nos vies et dans le monde, que l'ivraie est à jamais séparée du bon grain et que la colère de Dieu peut s'éteindre. Le combat contre ce qui nous tient éloignés de Dieu s'achève enfin, et nous pouvons entrer dans l'exultation de joie de Dieu, en étant pleinement fils du Père, cohéritier du Fils. C'est en ce sens que la vision de Jean se poursuit, avec cette étrange mer de cristal mêlée de feu, sur laquelle se tiennent les victorieux, ceux qui ont vaincu la bête, son image et le chiffre de son nom. Ils peuvent se défier du feu qui purifie, chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau avec les cithars de Dieu. Oui, l'exode loin de Dieu est fini. Les portes de l'enfer se sont brisées à jamais. Nous pouvons, comme eux, enfin nous joindre à ceux du ciel pour louer les merveilles de Dieu. Grandes sont ses œuvres, lui qui créa par amour le ciel et la terre, lui qui créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et l'aima jusqu'à devenir cet agneau innocent conduit à l'abattoir. Il est ce souverain de tout l'univers, lui que l'univers ne peut contenir, tellement il dépasse toute chose. Ces chemins qui nous conduisent au Père par le Christ ne peuvent qu'être justes et vrais, puisqu'il est la voie, la vérité et la vie. Oui, nous pouvons proclamer sa sainteté, reconnaître que seul Dieu est saint. Saint est le Père, saint est le Fils, et saint est l'Esprit, lien sanctificateur et plein d'amour, qui unit le Père et le Fils. Nous devons aussi, nous aussi de toute nation, nous mettre en chemin, suivre ce chemin d'exode déjà parcouru par les Israélites à la suite de Moïse. Car ce chemin nous conduit vers cette terre promise où coule le lait et le miel, où coule l'amour, sa présence au milieu de nous, en plénitude et pour toujours, pour nous prosterner devant lui et le reconnaître pour ce qu'il est notre Créateur et notre Père, sans qui rien ne fut. Sur ce chemin, les mages, mais aussi les humbles, les petits, nous ont précédés, nous montrant que notre place est à ses pieds, que c'est en lui que nous pourrons pleinement vivre notre humanité, cette image et ressemblance qui nous divinise en lui. L'Avent va commencer, ce temps de l'attente de sa venue. Puissions-nous prendre le temps de reconnaître celui qui veut demeurer parmi nous, pour nous agenouiller devant lui et reconnaître sa grandeur et son amour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous les hommes que tu as créés pour chanter ta gloire, Seigneur, nous te prions. Fais-nous grandir de jour en jour à ton image et à ta ressemblance. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous les hommes que tu as créés pour se réjouir de ta bienveillance, Seigneur, nous te prions. Éloigne de nous le diable et ses tentations. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous les hommes que tu as créés pour participer à ta vie, Seigneur, nous te prions. Ramène à toi tous ceux qui s'éloignent de ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, Saint est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, et le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons